Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de French Conversation et j'ai une invitée très spéciale. Je vous Bonjour. présente ma maman qui a accepté de participer à cette vidéo, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Ma maman est médecin. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa qu'on parle ensemble du système de santé, de comment aller chez le médecin en France. Si vous êtes en France et que vous avez besoin d'aller chez le médecin, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment décrire vos symptômes? Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Prenons un exemple. Je suis malade, j'ai très mal au ventre. Qu'est-ce que je fais? Tu dois aller chez le médecin. Pour aller chez le médecin, il faut prendre rendez-vous. Donc il faut ou téléphoner ou prendre rendez-vous sur Internet. Et tu peux aller d'abord chez un médecin généraliste. Je peux aller chez n'importe quel médecin généraliste? Généralement, en dehors de l'urgence, on t'attribue un médecin traitant qui te connaît, qui a un dossier et qui peut te diriger vers un spécialiste si ton état le nécessite. Tous les Français qui travaillent, ils cotisent à un organisme national qui s'appelle la Sécurité sociale et qui permet d'ouvrir des droits à une couverture santé universelle, sans restriction. Tu vas consulter un médecin, le prix de la consultation est pris en charge en partie par la sécurité sociale. Si tu as une assurance complémentaire, tu peux avoir la prise en charge du complément. Cela permet d'accéder à la plupart des soins, même des soins coûteux, à l'hôpital ou aussi en clinique privée. Donc je prends rendez-vous avec un médecin généraliste. Donc une fois que je suis chez le médecin, je lui dis j'ai très mal au ventre, qu'est-ce qui va me faire? Qu'est-ce qui va faire le médecin? Le médecin, il va te poser des questions, il va t'interroger pour comprendre tes symptômes. Donc, il va falloir que tu puisses, toi, lui expliquer en français, c'est pour que ça soit bien précis, ce que tu ressens, qu'est-ce qui te fait souffrir, en décrivant la douleur, à quel endroit elle se trouve, depuis combien de temps elle évolue, si elle est intense ou faible. Si elle s'accompagne d'autres choses, de fièvre, de diarrhée, d'inflammation sur la peau. Donc il faut essayer de connaître les parties du corps. Donc c'est important que vous appreniez toutes les parties du corps, parce que si vous avez un problème, si vous êtes malade et que vous devez décrire des douleurs, c'est important de savoir parler de cela en français. Et je sais que c'est pas évident parce que moi, en Israël, quand je vais chez le médecin, je ne suis pas allée beaucoup chez le médecin. Enfin, en général, j'allais chez un médecin qui parlait français parce que c'était plus simple pour moi d'expliquer mes douleurs. Je m'étais fait mal à la cheville en tombant. Disons que j'avais du mal à expliquer ça en hébreu. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc le médecin, il va me donner des médicaments. Alors, déjà, il faut que tu lui dises j'ai mal, ou ma jambe me fait mal, ou mon ventre me fait mal. Et il faut décrire ça tord, ça brûle, ça gonfle, pour expliquer que le médecin s'oriente vers un diagnostic. Une fois que le médecin a interrogé le patient, il va pouvoir l'examiner et soit il a un diagnostic et il va rédiger une ordonnance de médicaments destinés aux pharmaciens, soit il va avoir besoin d'examens complémentaires et l'orienter alors vers un spécialiste d'organes, comme le gastro-entérologue pour le ventre, l'otorhino-laryngologiste On pour dit la pas gorge, ça, l'ORL, l'ORL, on dit l'ORL. l'ophtalmologue pour les yeux,
Le dentiste, si c'est une douleur dentaire, et il le reverra avec les résultats des examens, éventuellement D'accord. également des analyses de sang au laboratoire. Une fois que le patient aura son ordonnance, il peut aller chez le pharmacien, acheter ses médicaments avec sa carte de santé, qu'on appelle ici la carte vitale, qui lui permet souvent de la dispense de paiement des médicaments. Oui. Parce que la pharmacie se fait directement rembourser par la sécurité sociale et la mutuelle du patient. La mutuelle, c'est la complémentaire. C'est voilà. privé, la mutuelle, non ? Voilà. C'est OK. On a quand même un système de santé qui est assez, assez bien en France. Oui, je pense que tout le monde a la possibilité de se faire soigner sans restriction, même pour des maladies coûteuses, sans payer des sommes folles. Recevoir des soins de qualité. En revanche, comme un peu partout, il faut parfois attendre longtemps son rendez-vous chez le spécialiste. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Les temps d'attente sont parfois un peu longs. Toi, tu as combien de délais ? 4 mois. Ah ouais. Et comment tu fais du coup, voilà, si tu as une douleur, si tu as un problème qui ne peut pas attendre 4 mois ? Par exemple, j'ai super mal au ventre maintenant, je vais attendre 4 mois pour aller voir un gastro-entérologue ? Si ton médecin traitant, c'est l'intérêt du médecin traitant, te voit et pense que c'est urgent, il va me téléphoner pour me dire de te rajouter. Mm. Ou si c'est vraiment très urgent, ça nécessite une prise en charge la nuit, par exemple, il va t'envoyer à l'hôpital dans le service des urgences médicales ou chirurgicales pour que tu sois pris en charge par la personne qui est de garde à l'hôpital. D'accord. Où il pourra être réalisé tous les examens requis pour faire un diagnostic adéquat. D'accord. Mais j'ai besoin, je n'ai pas besoin d'avoir un... que le médecin traitant m'envoie aux urgences pour pouvoir aller aux urgences. Non. Théoriquement, tu peux y aller de toi-même, ce qui peut d'ailleurs poser des problèmes, parce que comme c'est gratuit, il y a des gens qui viennent un peu pour n'importe quoi aux urgences et ça encombre les urgences. Aussi, oui, si vous avez vraiment un gros problème, que vous êtes chez vous, que vous ne pouvez pas vous déplacer... Alors là, il faut appeler le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgent, c'est le 15 en France, un numéro d'urgence, et là, au bout du fil, il y a un régulateur, c'est un médecin qui va écouter les symptômes et qui va juger de l'urgence d'envoyer une ambulance médicalisée avec un médecin. Capable de donner les premiers soins sur place et d'effectuer un transport médicalisé urgent. Ok. Bon, je crois qu'ils savent comment aller chez le médecin en France. J'espère que je vous ai sauvé. Voilà, t'as peut-être sauvé la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ok, donc ça c'était la première chose dont je voulais qu'on discute, c'était vraiment voilà, comment aller chez le médecin en France, comment parler de ses symptômes. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus de la situation aujourd'hui et de la crise sanitaire que nous traversons. Puisque toi, en fait, pendant la première vague du Covid, tu as travaillé au service Covid. Donc, il faut savoir qu'en fait, on parle de vague. Donc, la première vague, elle a eu lieu en mars-avril. Et qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la deuxième vague du Covid. Parce que le nombre de malades augmente régulièrement. Et, voilà, augmente régulièrement et notamment les admissions en réanimation. Il y a de plus en plus de malades en réanimation. Donc la situation est très inquiétante. Le président a annoncé un couvre-feu dans les grandes agglomérations françaises. Donc un couvre-feu, ça veut dire que en gros, nous n'avons pas le droit de sortir entre certaines heures. Et ici, c'est entre 21h et 6h du matin. Il est interdit de sortir à l'extérieur.
Enfin, sauf si on a une dérogation pour le travail, pour une urgence médicale. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je voulais vous faire un petit update de la situation en France, car les choses ont pas mal changé depuis que nous avons tourné cette vidéo. Donc en fait, cette vidéo a été tournée le 20 octobre. À ce moment-là, il y avait seulement un couvre-feu dans les grandes agglomérations, entre 21h et 6h du matin. Ce couvre-feu a débuté le 16 octobre, puis il a été étendu à presque la totalité du territoire, à 54 départements pour être exact. Ces mesures ne suffisant plus, les chiffres étant toujours très inquiétants et en forte augmentation, le président a annoncé des mesures encore plus strictes et un reconfinement national qui a débuté le 30 octobre et qui va durer jusqu'au 1er décembre minimum. Donc voilà, c'était le petit update sur la situation. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc, je voulais un peu savoir comment ça s'était passé quand tu as travaillé dans le service Covid de ton hôpital. Eh bien, toutes les activités que nous avions l'habitude de faire ont été déprogrammées brutalement pour laisser la place à tous ces malades du Covid qui ont occupé pratiquement tous les lits de l'hôpital, soit les formes les plus graves qui nécessitaient une prise en charge en réanimation, soit des formes un peu moins graves mais qui nécessitaient une oxygénation permanente. Tu as dit tous les lits de l'hôpital? Quasiment tous les lits, il restait peut-être un service pour le reste. Ok. C'est la première fois de ma carrière que j'ai vu que des patients qui avaient tous la même pathologie dans les lits. Il ne fallait d'ailleurs pas les confondre. Donc ça nécessitait de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, nous, comme spécialistes. Il a fallu réviser un peu les matières de la pneumologie. Parce que ce n'était pas, pas du tout ta spécialité. Voilà. Donc, comme tous les médecins, ils n'avaient plus rien d'autre à faire puisque toutes nos activités avaient été stoppées pour laisser la place aux malades Covid, et il a fallu tous qu'on se remette dans nos études sur le poumon, le cœur. Et puis, il y a eu une grande solidarité médicale, puisque tous les médecins de toutes les spécialités ont participé aux visites des patients, aux gardes, et ce qui était difficile en dehors du fait qu'il y avait des malades très très lourds, c'est que il y avait beaucoup de contraintes vestimentaires, il fallait mettre une tenue spéciale, se changer à chaque fois qu'on rentre dans une chambre, donc ça rendait en plus la visite très lourde à réaliser. Les mesures de sécurité étaient suffisantes? Au départ, on manquait de masques et on manquait de surblouses. On nous disait qu'on ne devait pas les enlever de la journée, qu'on ne pouvait pas les changer parce qu'on ne pouvait pas en donner d'autres. Ah oui, mais comment tu faisais pour manger? Il y en a qui ne mangeaient pas. Ah oui? Mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps après les masques sont arrivés. Parce que le masque, si tu l'enlèves une fois, tu ne peux plus le remettre? C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans une ambiance où il y a beaucoup de Covid, il ne faut pas le manipuler trop. Parce que le virus, il peut être sur la face externe du masque. Donc, à chaque fois qu'on le manipule et qu'on le remet, il vaut mieux, si tu l'enlèves, il faut prendre un autre masque. Donc, comme on n'en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, et en plus, on peut le porter que 4 heures. Parce qu'après, il est moins étanche. Et aujourd'hui, pour le moment, ça se passe comment dans ton hôpital? Aujourd'hui, alors qu'on avait quasiment plus de malades Covid pendant tout l'été, pendant le mois de septembre. Et on en a une vingtaine non sévères et une quinzaine sévères. Et ça, on espère qu'avec les mesures qui ont été prises, ça ne va pas devenir de la même façon. Et on n'a pas envie de déprogrammer les autres pathologies. Parce qu'on a bien vu que ça entraînait des problèmes d'une autre nature. Ouais. Oui, c'est un peu ce qu'ils disent. En fait, c'est que, par exemple, pour le couvre-feu, ce que le président expliquait, c'est que l'urgence, c'était surtout désengorger le système de santé. Parce que,
En fait, si tous les lits de réanimation sont occupés, ou même tous les lits d'hôpital, Ouais, de l'hôpital. tous les lits des hôpitaux sont occupés Ouais. par des malades du Covid, alors il n'y aura pas de place pour les autres personnes. Une fois ça va, mais deux fois ça fait Oui. beaucoup. Et si quelqu'un a un accident de voiture, bah, il Ouais. n'aura pas de place en fait. Enfin, c'est C'est un peu ça mal. l'idée, Ouais. quoi. C'est pas seulement qu'il y aura trop de malades du Covid, c'est qu'il n'y aura pas assez de place pour Voilà. les autres problèmes. Exactement. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très intéressant d'avoir ton expérience, notamment dans les services Covid des hôpitaux français. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des mots, j'en suis sûre. Vous trouverez tous les mots qui sont apparus à l'écran dans la barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye bye! Bye bye.